Good morning, my thirsty friend. We are now in Domaine Viret, so I left the Vaucluse area to move up north to La Drôme. And this is a quite interesting estate to visit because they have a very unique philosophy, which is called Cosmoculture. So, as you can see behind, it's already the cellar looks almost like an Egyptian pyramid, or is a kind of a special place for wine. As far as I remember, the wine are excellent, even if I haven't tried them for a while. But the owner is the same. Okay, we are now inside the cellar. I'm with Philippe, the owner, who will introduce me the philosophy of Cosmoculture. We will do the presentation in French, and you will get the subtitle in English. So thank you very much, Philippe, to welcome us in the heart of your cellar. I mean, this is a very unique place. C'est vraiment très 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 spécial. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu donc la philosophie du domaine? Bonjour, pour commencer, donc la philosophie du domaine. C'est la Cosmoculture, elle est née dans les années 90, c'est mon père qui l'a mis en place. Donc mon père en fait a deux passions, l'agriculture et la radiesthésie, c'est-à-dire qu'il est, c'est quelqu'un qui est très sensible et qui recherche les sources et les courants d'énergie. Il a positionné un travail très unique dans le monde en positionnant des systèmes de pierres levées et des balises énergétiques au sein de son domaine. L'évolution de la Cosmoculture, c'est dans la lignée des principes biologiques et biodynamiques avec une approche plus bio-énergétique. Voilà, au niveau de la vinification, ce sont des vins naturels, donc on vinifie le plus simplement possible, sans intrants œnologiques. Les sulfites sont limités à la mise en bouteille, avec très très peu des doses homéopathiques, quand c'est nécessaire. Voilà, on a été les premiers aussi à faire des vinifications dans des amphores que vous voyez là. Donc on a commencé en 2005, avec des amphores qui ont été construites par un potier, un artisan de la région. Voilà. Donc les amphores, on s'en sert pour les rouges, mais on s'en sert aussi pour les blancs. Donc il y a des vinifications en rouge, donc des macérations qui sont très longues, qui peuvent durer une année. Et pour les blancs, les vins oranges, c'est entre 3 et 6 mois. Voilà. Donc on fait aussi une gamme assez large de vins, qui sont en fait une grosse partie de vins maintenant plus orientés sur les vins de soif, donc des vins faciles à boire. Et même si le terroir va sur la concentration, on essaye de ramasser plutôt que les autres, pour obtenir en fait des degrés inférieurs et faire des vins plus légers et accessibles immédiatement à la consommation, ce qu'ils recherchent actuellement la bistronomie, les restaurateurs, autant français que étrangers, des vins plus légers. Donc ici on a beaucoup de cépages, les travails sur la vigne c'est un travail biologique, donc il n'y a pas d'utilisation de produits chimiques, donc le soufre et le cuivre sont très limités dans les doses. Et après, c'est des produits phytofortifiants en base de plantes pour aider la végétation et pour arriver à la maturité nécessaire au niveau de la vendange. Donc ici, la cave est unique parce qu'elle a été construite sous le rapport du nombre d'or. Elle a été construite en 99, donc maintenant elle a plus de 24 ans. Et elle a été construite avec ces blocs de pierre qui sont en provenance de Verse, Pont du Gard. C'est la même origine que la pierre qui a été utilisée pour la construction du pont du Gard par les Romains. Aussi, on est sur un lieu unique ici, ça s'appelle le Paradis. C'est une propriété de 60 hectares avec 35 hectares de vignes et 50 cépages implantés. Donc ici, la philosophie, c'est d'aller en fait dans ces principes de la bioénergie qui a été amenée par mon père et aujourd'hui de continuer cela, ce travail gentiment pour les futures générations. D'accord. Est-ce qu'on peut aller voir la source? La source, oui. Ah.
ça, c'est le point d'ancrage de la cave. La cave a été construite sur un point d'eau, un point tellurique. Donc ici, c'est en fait la pierre et du quartz, en fait, pour en fait refléter en fait une ambiance favorable à l'élaboration et l'élevage des. Donc ça, c'est la source trouvée par mon père à la date de la construction de la cave. Et donc, ce qu'on m'expliquait un petit peu avant, c'est que donc toute la cave est en fait construite à partir de ce point. Enfin, oui, tout ça, c'est l'axe fondamental de la cave. D'accord. Voilà. Donc la cave a été construite, disons, à partir de ce point d'énergie. Et après, elle a été construite sur des anciennes données, notamment le nombre d'or. Voilà, c'est une cave qui ne fonctionne pas à gravité aussi, c'est-à-dire que la vendange arrive en haut, tombe directement dans les cubes, ouais. Et en bas, c'est la partie d'humidification. Voilà, dans les grandes lignes, c'est ce qu'on a mis en place avec mon père. D'accord. Est-ce que vous suivez des principes de la biodynamie ou c'est autre, c'est un autre principe en fait ? On n'utilise pas les préparations biodynamiques, on utilise d'autres préparations, puis on travaille sur la mémoire de l'eau. Mon père, en fait, informe des préparations pour vitaliser la plante. D'accord. Mais vous utilisez quand même des. Des plantes. C'est de l'homéopathie. C'est la même chose. C'est la même chose. D'accord. Et voilà, enfin, après, c'est juste après un petit peu de soufre, un petit peu de cuivre dans les vignes. Dans les vignes, à des doses très limitées, on essaie de rester à 1 kg de cuivre métal par an, donc bien au-delà des données biologiques qui sont 3 kg. Et puis après, travailler donc, sur des doses de soufre aussi un peu moins importantes, même à la vigne, et continuer à la cave. Et des macérations d'un an sur des vins rouges, c'est, enfin, le principe est venu par. C'est moi la réflexion, c'est-à-dire que en fait, je voulais faire un cycle annuel et en fait des cuvées pour toujours laisser les amphores pleines, parce que pour pas que la terre elle puisse attraper des bactéries et avoir une vinification très longue. Comme un peu on fait aussi en Géorgie, il y a des principes comme ça aussi, qui c'est le berceau en fait des vins forts. Voilà. D'accord, donc l'inspiration vient un petit peu de. L'inspiration vient au départ aussi de vignerons italiens, qui, notamment Occhipenti, etc., qui travaillaient les amphores et qui m'a donné l'envie de pouvoir travailler, notamment Josco Gravner aussi. We tried a couple of white and a few reds and. There's really, for the white, very powerful energy, a lot of liveliness. So, yes, solstice blanc dry, which is light, easy drinking, very aromatic and refreshing white wine. Then La Coupe d'Or, which has been aged in oak for 1 year, which is a bit more rounder and creamy, but very well balanced and fresh. And then, so those are three red, so the energy is 100% Syrah, and it's a fresh, light, easy drinking, but still structured red wine, followed by a little grenade, which is a Grenache Mourvèdre, and straight from there you can feel the density of the structure is enormous. I mean, I never tried any red wine in Rhône Valley, South Rhône Valley, with this level of tannic structure, and there's a massive extraction. Those wines are meant to be aged for decades. Even if the 2017, which has just been released now, already have some evolution on the nose, but you can feel that the structure of the wine is still like a baby. And this is a Dolia, so the wine which has been aged for 1 year in amphora. And yeah, I mean, this is
one level, even if the Lincolnade was already very, very rich and very tannic, here it's like another level, and you feel that the wine is meant it's drinkable now, but frankly, I would advise to wait 20 years to drink them, or really to look for some very rich food to match with. And as well, I mean, 13 already has some, on the nose side, already some plum, some cigar, or some spices. So the nose seems like it's ready to drink, but when you taste the wine, it's like, wow, it's full tannins, like heavy tannic structure. Tannins are ripe and they are quite smooth, I would say, but there's such a density that it really creates something massive. Very unusual wine from this region.